La question, c'est pourquoi c'est difficile pour les garçons de ne pas rentrer dans la bagarre? Toi, tu dis, à un moment, on se laisse entraîner, c'est très dur de ne pas se laisser entraîner. Et toi, tu dis, c'est possible de ne pas se laisser entraîner. Et comment c'est possible, Noah? Bah, si t'es bien dans ta peau, tu vas pas te faire entraîner par les autres, parce que si t'es bien dans ta peau, tu vas avoir confiance en toi. Donc ce que dans ta tête, ce que tu penses, bah tu vas le faire. Par exemple, si j'ai pas envie de me faire entraîner dans la bagarre, bah je vais pas me faire entraîner dans la bagarre. D'accord. La condition pour Noah, qui a compris quelle est la condition pour se laisser entraîner dans la bagarre, quelle est la condition pour Noah? Tiens, on va voir s'il y a des filles qui t'écoutent. Vas-y, ça c'est quoi la condition pour Noah? Il a dit que si t'étais bien dans ta peau et si t'étais à l'aise, si t'avais confiance en toi, t'allais tu pas te laisses forcément pas te entraîner dans la bagarre. Hein? Si t'as confiance en toi, tu te laisses pas entraîner dans la bagarre. Qui est d'accord avec Noah? Il y a plein de gens d'accord avec toi. On va voir s'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça. Ça marche? Alors, il y a des objecteurs. Tu as deux objecteurs. Tu choisis lequel, Noah? Trois objecteurs. On va voir s'ils disent ça pour rentrer dans la bagarre ou si c'est vraiment qu'ils ont une objection, hein? Parce que tu fais attention, Noah, tu verras. Des fois, ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord, c'est pour rentrer dans la bagarre. Mais il y en a d'autres, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Vraiment, ils ont un argument. Observe bien ce truc-là. William, Alors maintenant, attention, hein, vas-y. Bah moi je trouve que on peut être bien dans sa peau et qu'il y a un ami qui est, par exemple, il y en a six qui se bagarrent contre un ami et toi tu veux défendre ton ami et tu peux être bien dans ta peau en te bagarrant. Ah, est-ce que c'est une bonne objection ou pas ce qu'il vient de nous dire ton ami? Non. Qui dirait que c'est pas, ça va pas comme objection? Ce que tu dis, ça a du sens, mais ça va pas comme objection. Et qui pourrait dire pourquoi ça va pas comme objection? C'est difficile, hein? Qui pourrait nous dire ça va pas comme objection? Allez, on va écouter une jeune fille. Pourquoi ça va pas comme objection? Parce que quand il y a quelqu'un qui se bagarre avec quelqu'un, plutôt que de rentrer dans la Ouais, bagarre. mais là, ça. Là, tu es en train de montrer pourquoi il y a un problème dans ce qu'il dit, mais là, ce qu'on cherche à voir, c'est si. Alors, c'est quelque chose de difficile, hein, mais quand on fait de la philosophie, ce qu'on va faire, c'est quand quelqu'un dit quelque chose, si on n'est pas d'accord, il faut vraiment montrer pourquoi on n'est pas d'accord, mais en prenant en compte ce qu'il a dit. Vous comprenez? Parce que parfois, on va dire une autre idée qui ne va pas dans le même sens, mais on ne contredit pas ce qu'il a dit. Vous voyez? Alors, on va reprendre la proposition de Noah. Déjà, je vais répéter la proposition de Noah. Noah, il dit, je ne vais pas rentrer dans la bagarre pour montrer que je suis le plus fort et pour parler à tout prix. Si j'ai confiance en moi, c'est bon, c'est pas grave. Si j'ai pas à parler, c'est pas grave. Parce que j'ai confiance en moi. C'est ça, Noah? Ouais. Alors, maintenant, notre ami, ce qu'il a dit, tu me dis si je me trompe pas, il a dit, ouais, mais si je vois un copain qui se fait attaquer par d'autres copains, je vais rentrer dans la bagarre pour protéger mon copain, c'est ça? Ouais. Est-ce que vous voyez qu'il y a un problème dans l'objection? Ce que tu dis, ça a du sens, c'est vrai ce que tu dis. Hein? Mais ce n'est pas une objection à ce que dit Noah. Est-ce que vous comprenez, est-ce que quelqu'un comprend pourquoi ce n'est pas une critique, ce n'est pas une objection à ce qu'il a dit? Ouais. C'est parce que, en fait, c'est parce que là, on parle de toi et on ne parle pas des autres. Et que si t'as un copain qui se fait attaquer, eh ben c'est pas toi qui te fais attaquer. Ouais, déjà tu as décalé le problème. Hein, tu vois? Donc du coup ça marche plus. Est-ce que quelqu'un aurait une autre explication pourquoi ça n'objecte pas vraiment? Oui? Parce que quand il dit ça, c'est pour protéger son ami, c'est pas pour se montrer fort, c'est pour juste protéger son ami. Donc on a deux situations différentes, vous êtes d'accord? La situation que décrit Noah. Ah, je veux montrer fort, je veux montrer fort, mais si je veux montrer fort, c'est parce que je crois que je ne suis pas très fort. Or, ce que dit Noah, si j'ai confiance en moi, je n'ai pas besoin de me montrer. Mais toi, tu donnes une autre situation qui est celle de la protection, tu vois? Donc, ce n'est pas une objection. Donc, vous voyez comme ils sont pressés, ces garçons-là. Hein? Donc, Noah vous dit, vous n'avez pas besoin de montrer que vous êtes les plus forts. Tranquille, vous avez confiance en vous. Oui. T'as confiance en toi ou pas trop? Ah, si tu dis ça, ça veut dire pas trop. Mais là, nous, notre boulot, c'est apprendre à avoir confiance en toi. C'est difficile, hein? Il y a plein d'adultes qui n'ont pas confiance en eux, hein?
c'est un travail de toute une vie. Hein. Parfois, même on est vieux, on n'a toujours pas confiance en soi. Ça s'apprend. Et nous, on est là pour l'apprendre. Donc, on n'a pas d'objection pour l'instant à ce qu'a dit Noah. Voyez l'objection. Donc, faites bien attention à ça. Quand vous dites à quelqu'un « je ne suis pas d'accord avec toi », faites bien attention, vous avez bien écouté ce qu'il a dit. Ouais. Et quand quelqu'un vous dit « je ne suis pas d'accord avec toi », faites bien attention qu'il a bien écouté ce que vous avez dit, parce que parfois, ça ne se contredit pas. Ouais. Est-ce que vous comprenez pourquoi souvent on n'est pas d'accord, on dit qu'on n'est pas d'accord, mais en fait, on fait comme ce qu'a fait ton prénom ? William. William. On fait comme ce qu'a fait William, on fait autre chose. Vous comprenez pourquoi on fait ça ? C'est très courant, hein ? Essayez de comprendre pourquoi on fait ça, ouais. Pourquoi ? Parce qu'on n'écoute pas souvent ce qu'on écoute, mais on n'écoute pas tout. On n'écoute pas tout, c'est ça. On écoute deux, trois mots, puis on part dans son truc à soi. Donc là, c'est vraiment difficile, arriver à bien l'écouter. Ah ouais, t'as dit ça ? Et maintenant, je vais voir si je peux le contredire. Alors, est-ce que quelqu'un a une objection à ce que disait Noah ? Une vraie objection ? Nouvelle tentative ? Bah, et aussi, enfin, moi aussi, c'est très, pour moi, c'est vraiment difficile de me, c'est vraiment pas difficile, j'arrive pas à expliquer. En fait, c'est vraiment très difficile de ne pas m'entraîner, en fait. Moi, j'ai vraiment du mal. Et aussi, pour la proposition de William, Est-ce qu'il est en train de faire une objection à ce que tu as dit? Non. Bah, pas vraiment, il part sur autre chose. Il part sur autre chose, bah, dis-lui, ton prénom c'est ? Baptiste. Vas-y, dis-lui, Baptiste, tu ne fais pas une objection. Baptiste, tu ne fais pas une objection. En fait, tu es en train de rajouter des mots et des phrases qui sont pas du même sujet. Voilà. Hein, donc, Baptiste, il veut nous raconter sa vie, hein, mais ce n'est pas le truc. Ah, tu crois qu'on fait une nouvelle tentative, voir s'il y a une objection? Pour l'instant, personne n'a réussi à objecter à ce que tu as dit. Hein. On fait une nouvelle tentative? Moi, je dis que ça dépend des personnes, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas très matures envers eux, et donc du coup, ils vont se laisser plus facilement entraîner dans la bagarre que d'autres. Stop. T'as une objection, là? Un petit peu. Bah. Je pense qu'on a une objection là. Je pense qu'on n'a pas d'objection. Pas d'objection là. Qui pourrait montrer pourquoi on n'a toujours pas d'objection? On n'arrive pas à objecter à ça. Ça veut dire que ce que tu as dit, c'est quand même assez fort pour l'instant. Qui pourrait expliquer pourquoi on n'a pas une objection? Quelqu'un qu'on n'a pas encore entendu, oui? Bah, parce que là, Thibaut, il dit que y a des personnes qui ne sont pas très matures envers elles. Ces personnes-là, elles ont confiance en elles ou pas? Bah non. Bah non, justement, donc il dit la même chose. Il dit la même chose, tu vois? Toi, tu nous dis, il faut avoir confiance en soi pour pas rentrer dans la bagarre. Et toi, tu nous dis, si on n'est pas mature, on rentre dans la bagarre. Bah c'est pareil. Vous voyez? Et parfois, on croit qu'on dit quelque chose qui s'oppose à ce que dit l'autre et on dit la même chose. Marrant, non? Alors là, on voit qu'on a des petits garçons qui sont un petit peu pressés, justement. Peut-être qu'ils rentrent dans la bagarre. Alors maintenant, on va essayer un truc. Ouah, les garçons, alors, on va travailler la confiance en soi, du coup. Ouais. Alors, je propose, puisque la confiance en soi, c'est un mot-clé dans ce que tu as dit. C'est un mot hyper important. Mais c'est bien joli, mais comment ça marche, ça? Comment on a confiance en soi, ouais. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire comment on fait pour avoir confiance en soi? Comment on fait? Tiens, on va demander à... Jeune homme, là, tu donnes à quelqu'un qui t'a l'air d'avoir confiance en lui ou en elle, et puis tu demandes, comment on fait? À qui tu choisis? Bah, vas-y. Thibaut. Vas-y, Thibaut. Choisis. Ah! Il n'a pas compris. Quelqu'un. Qui c'est? Abby. Bah, pour avoir son confiance en soi, faut pas dire je vais pas y arriver, faut dire justement je vais essayer d'y arriver. Si on dit toujours je vais pas y arriver, c'est sûr qu'on n'aura pas beaucoup de confiance en soi. Ça va ce que dit Abby, c'est ça? Oui. Abby, elle dit il faut se dire je vais y arriver. Ouais? Ah. Oui. Qui est d'accord avec Abby? Ouais, mais c'est la main qui n'est pas d'accord avec Abby.
Donc un objecteur. Intéressant. Deux objecteurs. Peut-être avant d'écouter les objecteurs, ceux qui ont une critique, on va écouter ceux qui sont d'accord, s'ils peuvent expliquer un petit peu plus pourquoi, pour avoir confiance en soi, il faut se dire je vais y arriver. Pourquoi il faut ça? Quelqu'un aurait un argument pour montrer ça? Oui. Parce que tu vas avoir de l'espoir. Et si tu te dis je ne veux pas y arriver, tu vas avoir du désespoir. Tu as du désespoir et quand tu as du désespoir, ça ne donne pas trop confiance. Ouais. Ok, si je dis je vais jamais y arriver, rien faire. Ok. Si quelqu'un avait un autre argument que ce jeune homme, un autre argument, il y a une jeune fille qui levait la main, c'était la même chose que lui ou pas? C'était le même sens, mais pas avec la même phrase. Donc c'était le même sens en gros? Ouais, c'est pas la peine de le répéter. Hein. Ouais. Oui, une jeune fille, wow, elle est capable de ne pas répéter la même chose. Elle a confiance en elle ou pas si elle peut faire ça? Oui. C'est un signe de confiance. Allez, je ne vais pas répéter la même chose. Des fois, hein, vous verrez même les réunions avec les adultes, déjà ils répètent 10 fois la même chose juste pour montrer qu'ils sont là. Tout n'a pas besoin. Quelqu'un avait une autre idée que ce jeune homme pour dire que pour avoir confiance en soi, il faut se dire je vais y arriver? Une autre idée? Non? Alors, on va écouter les objecteurs maintenant. Parce qu'il y a des gens, il y a un problème là-dedans. Ça va pas, je suis pas d'accord avec cette idée. Alors, Abby, choisis-toi un objecteur ou une objectrice. Fanny, moi, je suis pas d'accord. Parce que parfois, quand tu me dis, moi, je vais pas y arriver, et ben là, on n'a pas confiance. Oui, mais après, on gagne de la confiance parce qu'on va y arriver. Alors, qui comprend ce que dit notre ami? Qui a compris? Qui n'a pas compris? Ah, c'est pas bien clair. Alors, est-ce que quelqu'un qui aurait compris pourrait reformuler ce qu'elle l'a dit pour que tout le monde le comprenne? On essaye de faire ça? Ah, est-ce que tu as compris ce qu'elle a dit ou tu pourrais le répéter? Moi, ce que j'ai compris, c'est que, en fait, si tu n'as pas confiance en toi et que tu réussis, ça va te donner de la confiance en toi. Tu vas en gagner. Ça, c'est une... Ouais. Alors, est-ce qu'on a une objection à ce que disait Abby? Parce que Abby disait, il faut que je me dise que je vais y arriver. Est-ce que je peux ne pas avoir confiance en moi? Je me dis, ben, je vais y arriver. Ouais, je ne sais pas si ça objecte vraiment. Non. Non. Est-ce que quelqu'un a une objection à la proposition? Je répète la proposition d'Abby. Abby, elle dit, si tu veux avoir confiance en toi, dis-toi que tu vas y arriver. Et toi, tu renforces l'idée en disant, parce que si tu te dis que tu ne vas pas y arriver, tu ne vas jamais rien faire. Et te dire que tu vas y arriver, ça te donne de l'espoir. Ouais. Est-ce que quelqu'un a une objection à ce que dit Abby? Ah, je ne suis pas d'accord et voilà pourquoi. Alors, vous cherchez dans vos têtes, hein, puis on peut aller lentement. Quelles sont les personnes qui sont un peu lentes, qui ont besoin de temps, qui sont lentes pour faire leur travail? Des gens qui sont plus lents, qui ont besoin de plus de temps. Peut-être aussi c'est parce que c'est des gens qui réfléchissent. Réfléchir, ça demande du temps. Alors, des gens qui sont plus lents, alors on va attendre. Qui se souvient de ce que je vous propose de faire là? Qui se souvient juste de ce qu'il faut faire? On va demander à... Dans les personnes là qui n'ont rien dit, levez la main ceux qui n'ont rien dit, qui sont plutôt timides et qui n'ont encore rien dit. Levez la main. Ah. Alors, et parmi les timides, là, comme rien dit, parce qu'il y en a qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont timides. Levez la main ceux qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont timides. Ah, ça va être dur. Oui. Hein, il y a des petites jeunes filles, là. Allez, je recommence. Levez la main les personnes qui n'ont rien dit depuis le début de notre rencontre, depuis quand ça fait un quart d'heure. Les personnes qui n'ont encore rien dit. Levez la main. Ok. Bon, là, je vois qu'il y a quand même une prise de conscience. Tu as dit quelque chose? Ah oui, c'est vrai, oui. Oui, c'est vrai. Alors, parmi ces personnes-là qui lèvent la main, est-ce qu'il y en a une qui se souvient de ce qu'on est en train de chercher? Parmi les personnes qui n'ont rien dit. Qu'est-ce qu'on est en train de chercher? On est en train de chercher pour des personnes qui disent que Abby, elle a peur dans ce qu'elle a dit, et des personnes qui disent qu'elle a raison. Et du coup, on est en train d'écouter les personnes qui disent qu'elle a peur pour savoir.
Donc là, on sait qu'on a une jeune fille qui n'a pas participé encore, mais c'est une jeune fille qui suit ce qui se passe. Des fois, il y en a, ouf, ils sont partis, ils sont déjà en vacances. C'est quand les vacances? Après le moment. Ah oui, bah, il y en a peut-être. Ils sont déjà dans la route. Mais toi, tu n'es pas encore en vacances, donc ta tête est encore bien présente. Alors, est-ce que quelqu'un a une objection à ce qu'a dit Abby? Il y en a trois. Tu choisis qui? Noah. Bah, si tu dis que tu ne veux pas y arriver, ça donne quand même de l'espoir et donc, un petit peu de confiance en soi. Toi, si tu dis je ne vais pas y arriver, ça te donne de l'espoir? Bah, un petit peu. Je ne vais pas arriver mon contrôle de maths, vraiment je vais le rater. Ça te motive. Oui. C'est comme ça que tu fais pour te motiver? Bah oui, parce que... Ah bon? Parce que si tu te dis que tu ne vas pas y arriver, ça veut dire que tu n'as pas assez travaillé ou il y a quelque chose qui manque. Et donc, du coup, tu vas le renforcer, ça va te donner de la confiance en toi. Vu que tu vas savoir... Là, il ne faut pas être pressé, il faut être chez Noah. C'est curieux ce qu'il dit, ça a peut-être du sens. Hein, il faut laisser la chance à l'idée de Noah. Ouais. Si je comprends bien, parce que si tu dis « Ouais, je vais y arriver, fastoche », là, tu peux te planter. C'est ça? Qui comprend l'idée de Noah? Qui pourrait voir la répéter dans ces mots? Tu pourrais répéter l'idée de Noah? Donc, en fait, quand tu dis que tu vas pas, y arriver parce que tu n'as pas assez travaillé, ça te donne un peu de confiance parce que tu as moins travaillé, tu sais que tu vas, il y a quand même des trucs que tu as, du coup, tu as. Il y a des choses que tu auras mieux révisées. Parce que c'est, quand c'est clair, tu penses ce que tu dis ou pas? Oui. Clair ou pas clair? Oui. Tu sais ou tu sais pas? Pour moi, c'est clair, mais... Est-ce que tu sais si c'est clair pour les autres? Oui. Tu veux savoir? Parce que là, on fait un travail qui est difficile. Hein. C'est quand je prends la parole, comment les autres y réagissent, tu vois? On apprend ça. Ça peut donner confiance en soi de se demander comment les autres y comprennent ce que je dis. Ouais, c'est difficile de se demander ça. Non? Eh bien, on va voir. Ton prénom c'est Blanche. Blanche. Qui pense que c'était clair ce qu'elle a dit, Blanche? Je pense que c'était pas très clair. Ah, tu vois, c'était pas très clair. C'est pas grave, hein? Et que maintenant que tu en as conscience, tu peux essayer de le retravailler, tu vois. Est-ce que tu arriverais à faire en une petite phrase, soit tu reprends l'idée de Noah, soit tu essayes de faire une objection à Abby? Pourquoi finalement se dire je vais y arriver, c'est peut-être pas... Ça pose peut-être problème pour la confiance en soi. Est-ce que tu pourrais reprendre ça? Allez, essaye. Tu reprends l'idée de Noah. Mais est-ce qu'il t'aide s'il lève la main pendant que tu cherches ton idée? Il t'aide pas. Pourquoi il t'aide pas? Alors, mais dis-leur, vous me stressez. Tu peux leur dire, mais vous me stressez, soyez tranquille, quoi, laissez-moi chercher. Tu peux leur dire ça? Vas-y, dis-leur. Je me stresse. Hein? Bon, vous avez envie de stresser? Qui a envie de stresser, Blanche? Mathieu, regarde. Oh. Regarde qui lève la main. Regarde ça. T'as vu? Tu remarques quoi dans qui lève la main? Qui a envie de stresser Blanche? T'as remarqué qui? Il n'y a que des garçons. Mais il n'y a que des garçons. Ah! Parce que nous, les filles, on est bien violentes. Eh ben. Mais c'est une violence, c'est un accès. Bien riche. Allez. Eh, tu vas te laisser impressionner par les garçons? Non. Non. Baptiste! Tu vois ces petits jeux-là, hein? Il ne faut pas se laisser faire par ça. Des fois, ça paraît rigolo, c'est peut-être pas si rigolo que ça en a l'air. Alors, et puis quand tu vois quelqu'un
vous vous souvenez que la dernière fois, on avait abordé ça aussi. Les filles, alors, elles s'intéressent à ce que disent les garçons. Vous vous souvenez de ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'on avait dit, ouais? C'est que les filles, on leur avait demandé si elles s'intéressaient aux garçons et on avait vu qu'elles ne s'intéressaient pas trop aux garçons. Voilà. Vous vous souvenez? Ah tiens, on va reprendre un tout petit peu ce dialogue-là. On fait un petit retour en arrière d'un dialogue d'il y a un mois. Et les filles avaient dit, mais les garçons, ils ne nous intéressent pas trop. Bon, viens là, parce que là, tu commences à être fatigant. Tu es dans le dos de madame, donc tu vas te mettre mais c'est là. Pas, je te vois pas, du coup, alors. Voilà. Je te vois pas, alors. Là. Là, est-ce que c'est mieux c'est... Voilà. Mais là, je sais pas si je vais te voir, enfin. Ah. Bah, à côté de... Ouais, voilà, va te mettre la main. Ça sera mieux, parce que comme ça, je te verrai. Et puis, si tu lèves la main, si tu es dans mon dos, évidemment, je peux pas te donner la parole. Reste bien dans le cercle. Alors, on était en train de faire un petit retour d'il y a un mois. On avait dit, mais les filles, finalement, les garçons, ça les intéresse pas. Ils peuvent toujours faire les clowns et montrer qu'ils sont très forts. Elles ne les regardent même pas. Mais on avait dit que les filles, du coup, ça pose un petit problème quand même si les filles font ça. Quel problème ça pose si elles font ça? Alors, il y a des garçons qui ont des idées. Allez, petit jeune homme, là, tu vas pas bouder maintenant. Mais je vous... Hé, on fait ça tout le temps, j'ai un moment. Calme-toi, Lien. Non, mais on fait ça... Oh, allez, là. Allez. Ça tout le temps. Reste tout là-bas, s'il te plaît. Bah, moi, j'en ai marre, moi. Oui, bah, calme-toi un petit peu, tranquillement. Allez, calme, et puis après, on va reprendre, et t'es pas exclu, hein. Ton prénom, c'est comment? Elia. Hein, tu reviens après parmi nous, d'accord? Essaye d'écouter ce qui arrive quand même. Alors, pourquoi ça pose un problème que les filles elles fassent ça? Pourquoi ça pose un problème? Allez, qui n'a pas encore parlé pourrait nous dire pourquoi ça pose un problème? Parce qu'après, elles ne s'intéressent pas à la vie du groupe. Elles ne s'intéressent pas. Les garçons, ils font partie du groupe quand même. Oui. C'est des êtres humains. Oui. Ouais. Quand même. C'est pas des perroquets. Ouais. Alors les filles, est-ce que voilà. Vous pouvez considérer les filles, parce que les garçons ils peuvent être durs avec les filles, mais les filles elles peuvent être dures à leur manière. Si elles s'intéressent pas à eux, oh, vous faites pas, même pas partie du club des humains, vous êtes des pauvres petits perroquets. Vous voyez hein? Qui est d'accord? Allez, on met un peu d'humour, mais c'est pas non plus pour faire n'importe quoi. Qui est d'accord avec ce jeune homme? Ouais, vous suivez les filles là, ce qu'il a dit? Vous êtes d'accord ou pas? Il n'y a que des garçons. Non? Il y a aussi des filles. Alors, on va voir s'il y a des filles qui sont. Des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce qu'il a dit. Bah alors, voyez les filles là. Hé, hey, réagissez un peu. Lui, il est en train de vous dire, et on est des humains quand même. Faites attention à nous. Hein? Mais peut-être faites attention d'une certaine manière. Un autre problème que ça peut poser si les filles ne s'intéressent pas comme ça aux garçons, oui, quel problème? Après, les garçons, ils vont vouloir se montrer encore plus fort. Donc, Ils vont plus s'arrêter. Qui est d'accord avec ton prénom? Dora. Dora. Qui est d'accord avec Dora? Eh ben oui, donc il y a un moment, il faut qu'ils arrêtent ça. Ouais. Tu vois, tout le monde est d'accord avec toi. Alors les filles, il y a du boulot. Blanche. Hein? Blanche, c'est ton boulot, ça. T'es une fille. Ouais, ça fait partie de ton boulot. Maintenant, les garçons, arrêtez ça, parce que sinon, il n'y a pas de raison qu'ils arrêtent. Alors, on va revenir à notre débat sur la confiance en soi. D'accord? Et puis, notre ami Noah, il disait qu'il y avait un problème dans ce que disait Nabi, parce que, est-ce que tu te souviens? Alors, on laisse Blanche, on va voir si... Parce que, en fait, lui, il arrivait à... Il avait surtout confiance en lui quand il disait qu'il n'arrivait pas. Est-ce que tu te souviens pourquoi? Est-ce que... Ouais. Arrêtez de gigoter. Est-ce que pour toi, ça peut avoir du sens de se dire... Est-ce que tu peux voir un problème? Quelqu'un qui dit, ouais, je vais y arriver, facile. Est-ce que tu vois que ça peut poser un problème dans la confiance en soi? Oui, parce qu'on se dit ça, mais en fait, quand, par exemple, si c'est une évaluation, on se dit que ça va être trop facile. Et quand là, on n'y arrive pas, alors qu'on n'aime pas assez réviser. Du coup, on va
on va rater et on va avoir confiance en soi. On n'aura pas eu confiance en soi. Parce qu'on pensait que ça allait être super facile, mais en fait, finalement. Qui n'a pas compris ce qu'a dit Blanche cette fois-ci? Qui a compris ce qu'a dit Blanche? Ah, tu vois? Hey, ça se travaille maintenant, c'est clair. Ah, donc ça va dans le même sens que ce que tu disais, Noah. Oui. Donc pour avoir confiance en moi, faut pas. Il y a un petit problème, si je dis ouais, je vais y arriver, facile, et puis devant l'évaluation, bah, en fait c'est difficile, et paf, je rate, et après j'ai pas confiance en moi. Ah, t'es d'accord avec ça? Tu changes un peu d'avis? Oui. Ouais. Alors du coup, on sait pas qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour avoir confiance en soi. Comment il faut faire? Il y aurait une autre idée. Oui? Non? Il y aurait une autre idée. Comment faire pour avoir confiance en soi? Vas-y. On peut s'écouter dans notre cœur. Par une fois. On peut s'écouter dans notre cœur. Il faut travailler un peu plus si on n'a pas. On n'arrive pas à faire notre travail. Il faut plus travailler pour réussir. Alors, ça va ce que ton prénom? Eva. Eva. Qui pourrait répéter ce qu'a dit Eva? On va demander à quelqu'un de te répéter. Qu'est-ce qu'elle a dit, Eva? Oui, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'il faut écouter son cœur et que si on n'y arrive pas, et ben, ça veut dire qu'il faut plus travailler. Il faut écouter son cœur et il faut travailler. Ça, si j'y arrive pas, je travaille plus. Ouais. Alors, il y a deux choses dans ce que tu as dit. Et qui est d'accord avec Eva? Ça serait un bon moyen. Qui est d'accord avec Eva? Mais c'est la main qui n'est pas d'accord avec Eva. Okay. Avant de voir pourquoi vous n'êtes pas d'accord, on va essayer de. Pour ceux qui sont d'accord, mais ça veut dire quoi écouter son cœur? C'est une jolie parole, hein? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah bon, j'ai écouté mon cœur, comment j'ai écouté mon cœur? C'est comme les médecins, là. Je vais entendre mon cœur qui bat, et puis je vais avoir confiance en moi. Ouais. C'est ça? Non. Ça veut dire quoi, écouter son cœur? Ouais. Par exemple, là, tu pensais la réponse, sauf que comme tu as peur de te tromper, là, tu ne veux pas... Tu n'oses pas la dire. Qui a compris ce qu'elle a dit? Moi, j'ai pas bien compris. Elle a demandé à quelqu'un de me réexpliquer qu'est-ce qu'elle a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, en fait, si, par exemple, tu veux faire quelque chose, mais que tu n'es pas sûr que ce soit la bonne réponse, et bien, si tu écoutes ton cœur, en l'occurrence, si tu écoutes ton cœur, et bien... Si tu dis que c'est notre réponse, que tu tentes de la mettre et pas que tu l'oublies alors que peut-être qu'elle était bonne. Ce serait bien que tu parles. Vous parlez pour la caméra aussi, parce qu'il n'y a pas un son super sur la caméra, vous parlez bien fort. C'est ça ce qu'elle a dit? Alors vous allez me dire si j'ai compris, je ne suis pas sûre d'avoir compris. Écoutez son cœur, ça veut dire si tu penses. Que tu te trompes, t'es pas sûr, tu dis quand même. C'est ça? Oui? Ah, j'ai compris. Tu dis quand même, puis tu verras bien si tu te trompes ou si tu te trompes pas. C'est ça? Plutôt que de pas oser dire. Si tu veux avoir confiance en toi, tu dis, puis tu verras. On a compris ton idée? Ouais? D'accord, c'est ça, écouter son cœur. Écouter son cœur, tu disais, et puis travailler. Est-ce que quelqu'un donc, n'est pas d'accord avec notre ami, avait une objection à ça? Une vraie objection, attention, hein? Là, c'est pas facile parce que son idée, elle est forte. Pour arriver à objecter... Ah, un objecteur, vas-y. Bah, pour moi, c'est pas, comme tu as dit, objectif, c'est pas ça sert pas forcément à quelque chose, hein. Non, mais. Pour moi, il faut juste se concentrer quand on a une évaluation. Si tu ne sais pas. Alors. Toi, tu dis.
il est possible que je révise beaucoup. Ça, ça va peut-être pas suffire pour mon évaluation. Toi, faut pas, je révise pas, c'est pas grave, je me concentre pendant l'évaluation. Tout va bien avec ça ou il y a un petit souci? Un petit souci. Ah. Si tu ne connais pas, alors, qui n'est pas d'accord, parce que peut-être vous autres travaillez, qui n'est pas d'accord avec ce jeune homme? Oh là! Oh là! Baptiste! Ah, alors, écoute, là, tu as plein d'objecteurs. Alors, baissez la main, on va voir s'il devine lui-même l'objection. Ce serait pas mal s'il a deviné lui-même, plutôt que de lui dire, d'accord, hein? Est-ce que tu devines un petit peu l'objection qu'il pourrait te faire? Dire, on n'est pas d'accord, pourquoi ils vont te dire ça? Et là, tu te mets à leur place. C'est facile pour toi de te mettre à la place des autres ou c'est un peu difficile? Alors, vas-y, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Tu vois que... Aucun n'est d'accord avec toi quand tu dis « Ouais, j'arrive à l'évaluation, j'ai pas révisé, mais il suffit que je me concentre et tout va bien. » Est-ce que tu comprends pourquoi ils vont te dire qu'ils sont pas d'accord? Non, c'est pas ça. Alors, là, je t'invite à te regarder toi-même. Tu t'appelles comment? Gaspard. Gaspard. C'est un représentant des êtres humains, on est d'accord? C'est pas un robot? Pas représentant, mais... Et puis, notre ami là-bas, tu reviens parmi nous? Il y a, tu reviens parmi nous? Il y a. Non, pas. Tu veux pas revenir? Bon, alors, notre ami Gaspard. Il nous dit, eux, ils ont besoin de réviser, mais moi, j'ai pas besoin. Ouais? C'est pas ça, c'est juste que j'ai juste pas besoin de réviser beaucoup, juste. Voilà, toi, t'as vraiment. Tout à l'heure, t'as dit que t'avais pas besoin de réviser. J'ai pas dit ça. Ah, si. Qui pense que. Attends. Qui pense que tout à l'heure, ouais. Gaspard, il a dit « j'ai pas besoin de réviser ». Tu vois? Alors, baissez la main. Mais tu vois, Gaspard? Essaie d'être attentif un petit peu à ce que tu dis. Tout à l'heure, tu nous dis « j'ai pas besoin de réviser ». Tout le monde a entendu ça. Est-ce qu'ils peuvent avoir raison d'avoir entendu ça? Ouais. Ben, tu peux leur dire « vous avez raison » ou c'est difficile. Ah, non mais regardez là, qu'est-ce qu'il est en train de vous faire notre ami? C'est bien. Tu veux, Gaspard, ça t'intéresse de... Là ce qu'on fait c'est aussi connais-toi toi-même. C'est ce que disait le philosophe Socrate, connais-toi toi-même. C'est difficile hein, se connaître soi-même. Ça te va? Ça peut être important de te connaître toi-même ou pas? Ouais? Alors, quand tu fais, ce que tu as fait là, est-ce que tu vois ce que c'était? Est-ce que tu pourrais nommer ce que c'était? Ce que tu nous as fait, là, tu as fait un truc et beaucoup d'humains font ça. Ça peut être intéressant de l'observer. Est-ce que tu veux l'observer? Puis s'en étonner, tiens, c'est marrant, les humains, qu'est-ce qu'ils peuvent faire des trucs rigolos quand même? Et moi-même, des fois, on fait des trucs rigolos. Est-ce que tu as observé toi-même ce que tu as fait? Et tu sais pas trop. Tu veux le savoir? Qui pourrait expliquer à Gaspard? Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a déformé sa phrase parce que il avait dit que pour moi, faut pas travailler et, au jour de l'examen, hein, tu vas réussir. Et après, il dit faut réviser. Ouais, il a transformé sa phrase. Est-ce que quelqu'un a compris pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a transformé sa phrase? Tiens, pourquoi il a transformé sa phrase? Il voyait que toute la classe était pas d'accord avec lui, du coup il voulait pas et la classe elle avait raison quand elle était pas d'accord avec lui ou elle avait tort à ton avis? Elle avait raison. Donc lui il voyait qu'il avait raison ou qu'il avait tort? Il voyait qu'il avait tort et du coup il voulait pas se montrer il voulait pas montrer aux autres qu'il avait tort. Il voulait pas montrer qu'il avait tort, c'est vrai ça?
que tu veux pas montrer que t'as tort. C'est pas vrai. Là, mets-toi à la place des autres. Qu'est-ce qu'ils voient chez toi, tu vois? Ouais. Observe ça. Qu'est-ce que tu vois, toi? Bah, quelqu'un qui veut un peu avoir tout le temps raison, qui se vante un petit peu. Voilà. Tu vois ça? Qui voit ça chez notre ami Gaspard? Quelqu'un qui veut avoir raison, qui se vante. Ah, tu vois? Bon, et tu te souviens qu'on a... Et toi, tu le vois aussi? Ah, mais... C'est jamais ça. Tu vois? Tu veux encore avoir raison? Est-ce qu'ils peuvent avoir raison quand ils voient ça? Mais c'est juste... Mais tu vois, tu fais un oui, mais est-ce qu'ils ont raison quand Noah, il dit, tu veux avoir raison, t'aimes pas montrer que t'as tort? Oui, ah ben c'est difficile, là, hein? Ouf. C'est agréable ou désagréable ce qu'on est en train de faire, Gaspard? C'est agréable. C'est agréable ce qu'on est en train de faire? Ou désagréable? C'est quoi qui est agréable là-dedans? Qu'est-ce qui est agréable dans ce qu'on vient de faire avec toi? Je ne sais pas pourquoi je trouve ça agréable. Ah, parce que ça peut être désagréable. Moi, quand je te vois, je dis c'est un peu désagréable. Je me dis, ouais, Laurence, elle était vraiment méchante, ce petit garçon là. Pourquoi ça pourrait être désagréable ce qu'on est en train de faire? Ce que je suis en train de faire avec Gaspard, pourquoi ça peut être un peu désagréable? Tiens, tu vois, il y a des gens, ils disent, waouh, wow, Laurence, c'est un peu désagréable ce qu'elle fait. Pourquoi ça peut être désagréable? Non, parce qu'on dit pas forcément des choses qui peuvent lui plaire. Qu'est-ce qui pourrait ne pas lui plaire à Gaspard là-dedans? Lui dire qu'il veut pas avoir tort. Ouais, hein? On lui renvoie ça. Quelqu'un qui veut pas avoir tort, et ça s'appelle comment, quelqu'un qui veut pas avoir tort? C'est quoi le nom qu'on donne? Tu sais quoi le nom qu'on donne à quelqu'un qui veut pas avoir tort? Hein? Un vantard, peut-être? Un vantard, celui qui se vante, il veut pas montrer qu'il est... Que des fois, il se trompe, hein? Ouais. Et être un vantard, tu trouves, si je te dis tu te vantes, c'est agréable ou pas? Non. Non, c'est pas très agréable. Mais pourquoi ça pourrait quand même être... Alors, c'est pas très agréable, c'est sûr. Mais pourquoi ça pourrait quand même être agréable? Parce qu'il nous dit c'est agréable, mais je sais pas pourquoi. Pourquoi ça pourrait quand même être agréable? Parce qu'on est en train d'essayer de l'aider et de rechercher de l'aider. On est en train d'essayer de l'aider, hein? Mais comment ça marche qu'on est en train d'essayer de l'aider? Parce qu'on lui dit, et peut-être que quand il entendra ça, il essaiera de ne pas se vanter, et donc il essaiera, et petit à petit, peut-être que ça va changer. Voilà, tu vois, c'est ça le travail de connaissance de soi. Quand je suis en train de me vanter, tu te souviens ce qu'on a dit au début? Celui qui se vante, tu te souviens le problème qu'on avait vu avec lui? C'était quoi? Ouais, il veut montrer qu'il est fort. Mais c'est quoi le problème de ça? Qui se souvient du problème qu'on avait souligné avec celui qui se vante? Qui s'en souvient? Ah oui, c'est quoi le problème? C'est qu'il nous énerve. C'est qu'il est énervant. Hein? T'as envie d'être énervant? Non. Si t'as pas envie d'être énervant, ben voilà, la prochaine fois que tu rentres là-dedans... Ah non, j'arrête ça. Maintenant, celui qui se vante, tiens, on va voir, parce qu'on était sur la confiance en soi. Il a confiance en lui ou il n'a pas confiance en lui? Celui qui se vante. Qui pense que celui qui se vante, il a confiance en lui? Non, est-ce que celui qui se... Ah, il a confiance en lui. Toi, tu penses qu'il a confiance en lui, hein? Oui, parce qu'il est confiant en lui de dire la chose. Ben oui, tu dis, je suis fort, quoi. Ah, moi, je suis hyper fort, attendez, les gars. J'ai même pas besoin de réviser les maths et paf, ça y est, j'ai la meilleure note. Hein? J'ai même pas besoin d'apprendre l'orthographe, je la sais déjà. Je suis hyper fort quand même. Il a confiance en lui, c'est lui qui dit ça. Hein? Qui pense qu'il a pas confiance en lui? Ah, les gens qui sont pas d'accord avec toi. Pourquoi il aurait pas confiance en lui? On va demander à quelqu'un qu'on n'a pas encore entendu. Oui? Peut-être qu'il fait ça pour cacher qu'il n'a pas confiance. Ah.
fait ça pour cacher qu'il n'a pas confiance. Qui est d'accord avec cette jeune fille? Ça a du sens ce qu'elle dit? C'est pour cacher quelque chose. Il veut cacher quelque chose. Ouais. Il y avait un... Pardon? D'accord. Je vais y arriver, j'y arrive. Ouais. Qui pense que... Alors, il y avait un argument. Celui qui a besoin de dire, attendez, je suis hyper fort. Toi, tu nous dis, ouh, celui-là, je pense qu'il n'a pas tellement confiance en lui parce qu'il cache, justement. Il cache son absence de confiance, c'est ça? Ouais. Qu'il y avait un autre argument pour montrer que celui qui se vante n'a pas confiance en lui. Est-ce que quelqu'un avait un autre argument? Ça t'intéresse d'avoir un autre argument là-dessus? Bah, parce que déjà, t'as pas tu veux pas montrer que tu n'as pas confiance en toi parce que tu as trop peur que les autres... que les autres ils se moquent de toi par exemple, ou sinon bah tu te vantes parce que sinon t'as trop peur de ce qui va arriver après, de ce que les autres ils vont en penser. Alors on va déjà voir si on a compris ce que t'as dit, hein, avant de voir si on objecte ou pas. C'est peut-être tu l'avais déjà la main. C'est pour, à ton avis, c'est pourquoi faire qu'il a déjà la main? Est-ce que tu devines? Oui. Qu'est-ce qu'il va faire? Une réaction. Que c'est ça. Ah, tu vois, on pourrait le deviner. Alors avant, tu vois, ça y est, t'as mis tes défenses en marche, tu veux déjà objecter. Tranquille. Hein? Est-ce qu'on... Ton prénom c'est Maxence. Qui pourrait répéter à peu près ce qu'a dit Maxence, qui pourrait reprendre son idée? Qu'une personne, hein? Là, on sent que là, il y a une petite... fatigue de concentration. On va écouter une jeune fille qui va nous aider à nous reconcentrer. Tu peux répéter ce qu'a dit Maxence? Tu peux le répéter toi? Ah, ça peut être intéressant que ce soit toi qui le répète. Vas-y, répète son idée. En fait, Maxence pense que, par exemple, si on veut cacher qu'on n'a pas de confiance en soi, et ben, c'est parce que après, on va se moquer de lui. Est-ce que c'est ça? Pas totalement. Tu pourrais reformuler ce qu'a dit Maxence, faisant quelque chose de court, de clair. Tiens, on t'a pas encore beaucoup entendu. Vas-y, oui. Oui. C'est qu'en fait, quand il y a quelqu'un, il va par exemple, il va dire « je suis plus fort ». Et en soi, il va pas le penser. Et après, il va continuer. Il va continuer à dire, mais il a peur de ce qu'on pense et c'est pas notre réaction, donc il continue à dire je suis plus fort. C'est ça, Max. Il a peur de quoi en fait? Dans l'idée de Maxence, il a peur de quoi celui qui se vante? De quoi il a peur? Est-ce que quelqu'un pourrait faire très court là-dessus? De quoi il a peur? De quoi il a peur? Bah, que s'il dit rien, par exemple, à ses copains, il se moque. Il a peur qu'on se moque. Il a peur de la réaction. Et il a peur, je sais que. Noah, tu te souviens? Il a peur qu'on l'égare. Par exemple, si il dit qu'il est fort, dans l'idée de Maxence, c'est qu'il ne veut pas qu'il soit égaré, il ne veut pas qu'il soit tout seul. Je ne sais pas si Maxence il a dit ça. Moi, ce que je me souviens de ce que tu as dit, tu me dis si c'est ça. On a peur justement qu'on voit que j'ai pas confiance en moi. On a peur qu'on voit ça. On a peur de la réaction, de comment ils vont réagir. Et du coup, les autres vont se moquer. Si je montre que j'ai pas confiance en moi, alors? Du coup, il fait un peu le vantard. Parce qu'il ne voudrait pas qu'on voit qu'il manque de confiance. Sûr, mais alors, pour éviter éviter la réaction des autres, parce qu'il a trop peur de la négativité. D'accord. Mais celui qui a très peur des critiques des autres, il a confiance en lui ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Hein? Critique des autres, puis il y a des gens qui ont confiance en eux, vous pouvez me critiquer, ok. J'entends la critique, peut-être que vous avez raison. Hein? Il y a des gens qui peuvent faire ça, mais c'est difficile. Peut-être que vous avez raison. Ah bah ouais, vous avez raison. Je vais entendre cette critique, mais là, au contraire, je me suis trompée.
Ouais. Alors, c'est vrai ou pas ce qu'il dit? Non. Ça, on peut deviner que tu ne vas pas être d'accord avec ça. Tu vois? Alors, vas-y, on t'écoute. Mais qui s'intéresse à la confiance en soi des autres? Est-ce que c'est une objection, ça? Non. Qui s'intéresse? Non. Tu ne fais pas une objection, là. Tu vois? Essaye d'entendre ce qu'il dit. Peut-être ça peut t'apporter quelque chose. Est-ce que ça peut être important de ne pas cacher qu'on n'a pas confiance en soi? De ne pas le cacher? Est-ce que ça peut être intéressant de faire ça et pourquoi? Bon, alors là, il y a des jeunes filles qu'on a... Oui, vas-y. Comme ça, les autres, si tu as confiance en toi, les autres peut-être pourront aussi t'encourager. Voilà, si je le montre, peut-être qu'ils peuvent m'encourager, ouais. D'accord. Autre chose, pourquoi ça pourrait être important de montrer? Bon, je n'ai pas confiance en moi, mais... Ça dépend comment on le montre aussi, hein, peut-être. Oui? Si tu n'as pas confiance en toi et que tu le montres, peut-être que les autres aussi peuvent t'aider à avoir confiance en toi. Ouais, c'est la même idée. Est-ce qu'il faut, il y a un truc bizarre, est-ce qu'il faut avoir confiance en soi pour montrer qu'on n'a pas confiance en soi? Il y a une sorte de paradoxe bizarre, là, hein? Qui pense que oui, il faut avoir confiance en soi pour montrer qu'on n'a pas confiance? Un peu bizarre. Vas-y. Bah, oui, parce que si on n'a pas confiance en soi, c'est que quelque part on a peur de montrer qu'on n'a pas confiance en soi et que du coup il faut avoir confiance pour le dire. Vous avez entendu cette idée-là? Qui comprend cette idée-là? C'est pas une idée très facile, c'est une idée intéressante, mais qui pourrait répéter ce qu'elle dit cette jeune? Bah, quand t'as confiance en toi, mais en réalité tu n'as pas confiance en toi, comme tu as un peu de confiance en toi, bah, tu vas dire quand même que tu n'as pas confiance en toi, et donc après on va essayer de t'aider. Et donc tu as quand même un peu confiance. Il faut avoir un peu confiance pour dire j'ai pas confiance en moi. Si tu n'as pas du tout confiance en toi, tu ne pourras même pas le dire, et tu vas au contraire faire croire des tas de choses. Ouais. C'est ça? Ouais, il faut un petit peu confiance en soi pour dire, bah là. Et pourquoi en général, vous pensez que... Pourquoi en général, est-ce que les humains ont confiance en eux? Qui pense que les humains, ce que vous connaissez des humains sur cette planète, y compris de vous-même et des humains que vous avez rencontrés, est-ce qu'en général, les humains ont confiance en eux? Est-ce que c'est plutôt rare des gens qui ont confiance en eux? Qui pense que c'est plutôt rare? Bon, vous êtes une majorité, si je comprends bien. Qui pense que c'est plutôt rare les gens qui ont confiance en eux? Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est plutôt rare. Donc, il semble qu'une majorité pense que c'est plutôt rare. Si c'est plutôt rare, c'est-à-dire, qu'est-ce qui empêche en général d'avoir confiance en soi alors? Qu'est-ce qui peut faire que c'est difficile? Qu'est-ce qui peut empêcher d'avoir confiance en soi, ouais? De voir tous ces gens autour de nous qui ont confiance en nous. Et nous, on se dit... Imaginons, par exemple, on est dans un cas difficile, tout le monde y arrive, et toi, tu es là, tu es coincé à quelque chose, et en fait, tu peux pas avancer, du coup, tu as du mal à te dire, je suis comme les autres. C'est difficile, dans ton idée, si je comprends bien, parce qu'on pense qu'on n'est pas comme les autres. On a l'impression que les autres y arrivent et que soit on n'y arrive pas. Ouais, c'est ça? Qui a une autre idée pour montrer que c'est difficile d'avoir... Qui est d'accord avec lui déjà? On a l'impression que les autres y arrivent, mais soi-même, on n'y arrive pas. Je pense qu'on n'y arrive pas. Il y a pas mal de gens qui sont d'accord, mais qui n'est pas d'accord? Ouais. Alors, on va voir s'il y a un objecteur. Vas-y, dis-moi. Bah, parce que si tu dis que les autres, ils arrivent... Et que tu n'y arrives pas, bah tu peux quand même avoir confiance en toi parce que tu vas te dire dans ta tête faut que j'y arrive. Donc moi je trouve que c'est pas très juste. Alors t'es convaincue ou pas? Oui, c'est aussi que c'est possible de retrouver la confiance. Je dis pas que c'est impossible. Il y a des gens qui, je parle moi, des gens,
Là, je parle des gens qui ont vraiment, vraiment du mal à retrouver leur confiance. Ah, oui. Mais sinon, j'ai pas dit que c'était impossible d'accord. de retrouver sa confiance. Mais qu'est-ce que tu en penses? Parfois, il y a des gens, ils arrivent tous à faire un truc et soi-même, on n'y arrive pas. Et même si on a fait des efforts, on est, par exemple, une personne qui est handicapée, je sais pas, mettons, elle est handicapée, elle handicap, elle a plus de jambes. Elle va pas pouvoir, elle voit tout le monde qui court autour d'elle, elle ne peut pas courir. Si. Bah, si on lui met des prothèses. Ouais, alors elle va se dire, je me mets des prothèses. Est-ce que tu penses que parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas réussir, ça, je n'y arriverai pas. Oui. Et qu'on pourrait quand même avoir confiance en soi. Oui. Et alors, comment ça marche? Parce que si tu n'y arrives pas, ce n'est pas très très grave. Parce qu'au moins, tu arrives à faire d'autres choses que des gens n'y arrivent pas. Peut-être, ce truc-là, j'arrive. Je ne suis pas hyper fort en maths. Fort ailleurs. Hein? C'est pas non plus. Hein? Est-ce que tu penses qu'on peut être fort partout? Non. Non. Oui. Peut-être Dieu, s'il existe, il est fort partout, mais est-ce que tu penses que les humains sont des dieux? Ben non, parce que les humains, c'est pas parfait. Les humains ne sont pas parfaits. Ils ont du mal à admettre ça. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est on va faire une petite conclusion, parce qu'il y aurait encore plein de choses à dire sur la confiance en soi, mais on va essayer de faire un résumé de ce qu'on a dit, et je vais demander à. De vous souvenir d'une idée qui vous a semblé intéressante pour avoir confiance en soi, qu'est-ce qu'il faut faire? Chacun va chercher ça dans sa tête. Et comme ça, ça nous fera une conclusion. Allez, vas-y. Pour avoir confiance en soi, il ne faut pas avoir peur de montrer qu'on n'a pas confiance en soi. C'est joli cette idée-là? À qui elle plaît cette idée-là? Elle ne plaît pas à ton voisin. Hein. Elle te plaît pas son idée? Non. On voit bien le schéma gasparien. Ça ne peut pas marcher dans le schéma gasparien, ça. Écoutez, tu y réfléchiras. Donc, pour avoir confiance en soi, il ne faut pas avoir peur de montrer qu'on n'a pas confiance en soi. C'est pour ça qu'il faut avoir un petit peu confiance en soi. Ouais. Autre chose? On peut écouter son cœur, c'était l'idée de notre ami, c'est-à-dire oser dire, oh bah, je vais oser dire mon idée, même si je ne suis pas très sûre. Hein, ça voulait dire ça, écouter son cœur, et puis on verra bien ce qui se passe. Autre chose dont vous vous souvenez, oui? Que pour avoir confiance en soi, il faut se dire qu'on va y arriver. Ouais, on avait dit ça, mais on avait vu qu'il y avait un petit problème là-dedans. Ouais, Abby? Bah, faut savoir s'élancer. Et pour savoir s'élancer, il faut avoir un peu quand même de confiance en soi. D'accord, pour pouvoir s'élancer. Et qui se souvient du problème qu'on avait soulevé quand on avait dit « je vais y arriver » Alors, c'est pas absurde, mais le problème, c'était... Bah, c'est parce que quand tu dis « je vais y arriver », t'es sûr et donc tu vas essayer de... Tu vas dire, bah... Comme c'est facile, je ne vais pas réviser. Alors que quand tu dis, je ne vais pas y arriver, c'est quand même de réviser, donc il faut être entre les deux. Voilà. Hein. Ça se pose un joli problème philosophique. Est-ce qu'il faut que je me dise, je vais y arriver, avec le risque du coup d'être trop confiant et un jour je vais me planter et là ça va faire mal? Ou bien, il faut que je retravaille ça, et là c'est pour l'instant j'y arrive pas. Hein. Allez, une dernière idée sur comment faire pour avoir confiance en soi, Maxence? Il suffit juste de se dire, de toute façon, même quand t'as pas confiance en soi, en toi, tu peux changer d'un jour à l'autre. Tu peux te dire un jour, je suis pas confiant et tu arrives pas au problème. Et puis, tu te dis... allez, faut que j'essaye une autre philosophie pour essayer d'y arriver. Et le lendemain, t'as plus confiance en soi, en toi, puisque t'as réussi, t'as changé de méthode, donc t'as réussi et t'es plus confiant. Alors, là t'apportes une nouvelle idée hein, au débat, qui est intéressante d'ailleurs, mais t'apportes une nouvelle idée, parce que moi je vous demandais de résumer les idées que vous aviez eues, mais de cette idée-là, on pourra peut-être la reprendre. Hein, c'est pas se crisper sur un truc. J'y arrive pas aujourd'hui, c'est pas grave. Demain j'arriverai, je vais peut-être essayer une autre méthode. Hein, si je fais toujours la même méthode et que j'y arrive jamais, c'est chercher autre chose. Ouais.
Ok, allez, on va conclure là, parce qu'après, petite pause de 5 minutes avant de voir les autres. Ben, merci pour vos belles idées. Et puis à dans un mois, alors. Dans un mois. Merci. Attendez, parce qu'il y a la caméra. Donc, qu'on la bouscule pas. Je vous laisse. Voilà. Hop, allez-y. Merci, au revoir. Au revoir.